grosses gambas rôties sauce américaine. Voilà notre star. Bon, je dis gambas, on pourrait dire aussi crevette, parce que finalement, gambas est le nom espagnol de la crevette. Elle a plusieurs caractéristiques, notre gambas. Tout d'abord, on l'a dit, elle est grosse. Alors là, je suis sur de la 10-15. 10-15, ça indique sa taille. En fait, ça indique plus précisément le nombre de pièces que vous avez au kilo. Autre élément, autre caractéristique, c'est une gambas sauvage. Ça veut dire qu'elle est issue d'une pêche responsable qui respecte le cycle naturel de la crevette. Bon, également, c'est le plus important au niveau du goût, on va avoir une chair qui va être un peu plus ferme et surtout superbement iodée. On va pouvoir attaquer. Donc, je vais les découper en deux. Donc, pour ça, je les dépose sur ma planche. Et avec un couteau, en partant du dos, j'incise au niveau de la tête et ensuite tout le long du corps. Bon, la crevette, c'est également une source très bonne de protéines, puisqu'on en a à peu près 20 grammes pour 100 grammes, très peu de lipides, 1 gramme. Voilà, alors je découpe, mais sans aller complètement jusqu'au bout, de façon à ce qu'elle reste attachée. Et puis là, il va me rester deux petites étapes. La première, c'est d'enlever son intestin. J'enlève cet intestin parce que c'est son tube digestif. Ça apporte de l'amertume, donc c'est pas très agréable en bouche. J'enlève les petites parties un peu foncées là-haut. Voilà. Je vais en préparer une seconde. Je coupe en deux. Tout le long du corps, on écarte. Donc je vais pouvoir maintenant installer toutes mes gambas sauvages sur une plaque de cuisson. Une petite dernière par ici. Voilà. Je vais rajouter un petit peu de beurre. Alors juste sur la chair. On n'oublie pas de mettre un petit peu de sel. Et j'enfourne sous mon grill bien chaud. Pendant que mes gambas sauvages sont en train de cuire, on a juste le temps de réaliser notre petite sauce. Donc pour ça, je vais avoir besoin d'une échalote. Je coupe les extrémités, j'enlève la première peau, je vais l'émincer le plus finement possible, et ensuite des petits cubes. Donc je pense que mon huile est chaude, je mets mon échalote, un peu de sel pour faire suer, et surtout je remue sans cesse, je ne veux pas qu'elle colore. Je rajoute mon concentré de tomate, alors lui aussi on va le faire cuire. En fait je veux qu'il caramélise légèrement. Bon, j'utilise mon nez comme radar. Encore un petit peu. Ouais, ça y est. Bon, là, c'est la partie événementielle puisque je vais rajouter le cognac et flamber. Bon, alors, surtout chez vous, on ne flambe jamais au-dessus d'une hotte. Et puis, si vous voulez éviter parce que ça vous fait un peu peur, pas de problème. À ce moment-là, vous attendez un petit peu et puis l'alcool va s'évaporer. Donc là, hop, je rajoute mon alcool. Et hop là! Waouh! Je vous ai dit, spectaculaire. Bon, on a notre base de sauce, il nous reste notre mayonnaise. Pour la mayonnaise, rien que du classique. Donc il me faut un jaune d'œuf, une belle cuillerée à café de moutarde, un petit peu de poivre, un petit peu de sel. Et là, je commence à verser en filet tout doucement, tout en remuant. Alors moi, j'ai choisi de l'huile de pépins de raisin. Et voilà, une mayonnaise maison minute, parfaitement ferme. Je vais pouvoir rajouter mes tomates avec mes échalotes, mon cognac. On remélange. Ma sauce prend une belle couleur orangée. Et justement, dans la couleur, on va rajouter encore un peu plus de vie. J'ai ici du persil. Donc je vais l'effeuiller grossièrement. Et je coupe. Je peux rajouter ça à ma sauce. Et je mélange une dernière fois. Une super sauce. Des super produits, mes gambas sauvages, il ne reste plus qu'à dresser. Je sors la plaque de mon four, elles sont splendides. On va éviter de se brûler. Voilà. Donc je vais en installer sur mon assiette de présentation. Voilà. Celle-là également. Je rajoute une belle cuillerée de ma sauce. Et voilà mes grosses gambas sauvages et leur sauce américaine. Un dernier conseil, mangez-les avec les doigts, vous verrez, c'est encore meilleur.